reborn. Chaos reborn. Bonjour frères et sœurs, comment allez-vous aujourd'hui? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Là, je me prépare à sortir, mais j'aimerais d'abord vous parler de quelque chose. Oui, je vais vous parler de cette fille-là qui a tué cet homme riche dans un hôtel simple, en même temps étrange. Si vous ne savez pas informé, je vais vous raconter l'histoire tout de suite. Que vous puissiez bien comprendre. La fille là, elle avait 21 ans, elle est étudiante en communication de masse. Là, les informations deviennent de plus en plus claires. Et on a retrouvé sa pièce d'identité dans la chambre où cet homme est mort. Elle a poignardé plusieurs fois dans le cou et personne ne sait ce qui s'est passé. Quand la police a retrouvé cette pièce, tout de suite la police a décidé de l'attraper. Voici comment elle est apparue sur les réseaux sociaux. Avec cette histoire, en fait, plusieurs histoires. Cette histoire du commun, nous, on ne comprend pas. Dans cette affaire, il y a eu deux versions. Dans sa première version, elle a dit que, en fait, le monsieur l'a violée la première fois. Et elle n'était pas vraiment contente, mais elle était toujours dans la même maison. Et elle n'a pas manqué de lui dire cela. Vous voyez? Et après, il y a eu de la drogue. C'est-à-dire, elle et lui, ils se sont mis à fumer tout et n'importe quoi, quoi. Et à un moment donné, il voulait encore d'elle. Et elle a refusé. Vous voyez? Elle a refusé. C'est là, il s'est mis dans une grande colère. Ça, c'est sa première version, il explique. C'est lui qui s'est mis dans une grande colère. Et il s'est mis à frapper sa tête contre le mur. Vous voyez, et elle, pour se défendre, elle a pris un couteau et elle a poignardé dans le cou. Ouais, c'est comme dans les films. Plus tard encore, elle change de version. Dans cette version, elle nous dit tout simplement que elle voulait de l'argent. En fait, elle voulait que le gars lui donne de l'argent. Mais comme il ne courait pas, elle a attaché. Elle a attaché. Mais là, peut-être qu'il était attaché, elle le menaçait avec un couteau. Et puisque il ne voulait pas lui donner cet argent, elle a poignardé. Ça, c'est sa deuxième version. C'est toi encore qui parle ici, hein? C'est toi encore qui a parlé ici. Une jeune fille de 21 ans, regardez ce qu'elle a de dire devant les gens. Quand j'ai entendu ça, tout ce que je me suis dit, mais tu as tué une personne, pas deux, une seule personne. Et puis tu as deux versions. Tu as deux versions, tu as deux histoires. Pour une seule histoire, une seule personne, tu as deux histoires. Même ses amis de l'école n'y croient pas. Ses amis se disent, ah, la fille là, elle est calme ici à l'école. Donc c'est quoi, elle est dangereuse. Elle tue un homme. Ça, on peut attendre tout. On peut attendre tout d'elle, sauf une chose pareille. Même une personne qui dit la connaître bien, là, comme on vous a montré dans la vidéo précédente, cette personne dit vraiment, la fille, quand vous la voyez, elle est calme. Elle ne parle pas beaucoup avec les gens, elle est réservée. Vous voyez, j'ai la fille réservée. Mais quand vous la voyez fumer, vous lui dites tiens, la fille là, c'est un truc de ouf. Comment est-ce qu'elle peut fumer quoi? Elle fume comme une professionnelle. Et même ses camarades, vous voyez ses camarades, elle aussi elle fume comme c'est pas possible. Les filles d'aujourd'hui qui aiment la facilité, qui aiment les belles choses, la belle vie. Oh, c'est ça, la belle vie. Ils appellent ça la belle vie. Fumer comme si vous étiez un dragon là, ils appellent ça la belle vie. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé une cigarette dans ta bouche. Maintenant, voici ce qui est arrivé. Elle est dans tous les problèmes de la planète. Son ami disait, oh, je connais bien la fille là.
je la connais vraiment très bien. Parce que les deux ont marché ensemble, peut-être ils ont fait une chanson ensemble, un clip ensemble. Donc il croit qu'il connaît, la connaît bien. Mon ami, tu connais personne bien. Ici là, tu connais personne bien. Les gens qui sont des sorciers là, physiquement, quand vous les voyez, ils vous attirent. Les filles qui sont des sorcières là, en général, hein, physiquement, quand vous les voyez là, elles vous attirent d'abord. C'est-à-dire, elles attirent. C'est un pouvoir de séduction. Mais à l'intérieur d'elle, c'est la mort. Le monsieur, on dit qu'il avait une bonne femme. Et sa femme, vraiment, elle travaillait dans l'industrie du pétrole. Elle occupait poste là-bas, elle est bien placée, il n'y a rien à dire. Il a des enfants. Et c'est lui qui a pris sa voiture, sa Range Rover, pour aller carrément chercher une petite fille. Et soyez prêts, apparemment le gars, hein, c'est le gars qui a payé l'hôtel. Mais lui, il a la fille, avec la fille, puisse louer un hôtel rapide, chap, pour que les deux puissent rester ensemble, ni vu, ni connu. Ni vu, ni connu. Genre chap. Et le résultat est là. La chose que vous voulez faire en secret là, Dieu va vous exposer un jour. Vous là. Dieu va vous exposer. Et aller faire ça en cachette, non, parce que croyant que sa femme n'allait jamais être au courant. Moi, je dis, même ses enfants sont au courant. Même ses enfants sont au courant. Il est mort dans une chambre. Il fallait le voir coucher comme ça dans le sang. Ce sont des images que je n'ai vraiment pas envie de vous montrer ici parce que je me dis, vraiment, ce que vous allez retenir en voyant cette image, c'est la terreur. Alors, comment j'espère que c'est pour vous effrayer, quand même. J'espère que c'est pour vous effrayer, j'espère que c'est pour vous faire peur. C'est là pour vous dire, mes frères et sœurs, il y a plein de filles dehors là. Quand vous les voyez, elles vous attirent. Mais, elles sont des sorcières. L'homme n'aime pas l'homme. L'homme aime l'argent de l'homme, mais il n'aime pas l'homme. Apparemment, elle est allée là-bas, c'était pour de l'argent. Puisque même après la mort du monsieur, elle n'a même pas dit à la police, à qui que ce soit, que le gars est mort. Elle a commencé à vider son compte en même temps, à aller de l'argent dans son compte bancaire. Les filles qui sont dehors là-bas, bling, jolie là, elles ne vous aiment pas, elles ont votre thune. Si tu as dit cherche une femme de donne Dieu. Si tu vas tuer, aller chercher une femme à qui tu donnes Dieu là. T'as mis de voir ce qu'il y a dedans. Il y a plein de sorciers dans le pays. L'homme est devenu méchant. Hein. Elle a juste 21 ans. Les gens vont dire, hey, elle a juste 21 ans, mais comment est-ce qu'elle peut commettre des crimes comme ça? Le frère, c'est ce que les sorcières font là. Le âge n'a rien à voir avec ça. Quand une personne est dans la sorcellerie, son âge n'a rien à voir avec cette histoire. Cette personne peut faire des choses plus graves que ce que vous ne pouvez vous imaginer parce que elle est possédée par un démon qui a plus de 500 000 ans. Ça n'est pas dur que le démon là. Hein? Oh! Et? Ah! C'est plus âgé que le démon. Le démon qui la possède là, il est plus âgé que ton grand-père. Toi, tu la vois petite ici. Mais c'est une chique qui l'a poupée. Et quand vous la voyez là, elle a l'apparence d'une fille qui ne peut rien faire, qui ne peut faire du mal à une mouche. Mais, elle a déjà le gars. Et ça là, c'est une chose qui peut vous arriver. Hein. Si vous aimez beaucoup les femmes, le truc là, non, c'est d'être en contact avec quelqu'un. C'est le contact là. Si vous êtes sur l'Ivoirien, mais si vous vous mettez en contact avec quelqu'un, c'est là le problème arrive en même temps. Parce que vous ne savez pas quel esprit habite la personne. Quel esprit habite la personne. Tout le monde est habité ici. Tout le monde est habité. Ton corps. On dit que ton corps, c'est le temple de Dieu. Non, c'est le temple. C'est un temple. C'est une maison. Tout le monde est habité dedans. Même le diable veut aller dominer le corps de ton temple. Le diable veut le corps de ton corps là-bas. Il va encore où? Dans ta main ou bien? Dans ta bouche? Hein? Où va dormir? C'est pas de la blague. Moi, quand je regarde ça, bon, je ne peux plus pleurer parce qu'il y a assez pleuré à cause des cas comme ça, on a vu plein. Donc, je me dis, bon,
C'est dommage, c'est juste dommage. Elle ne sera plus jamais étudiante puisqu'elle a tué un homme. C'est censé être ça. Quel que soit ce qu'elle va dire, quelle que soit la version qu'elle va donner, la finition sera ça. Elle va faire la prison forcément. Bon, en tout cas, c'est vous qui voyez maintenant. Dites-moi ce que vous en pensez, mais vraiment, frère et soeur. Je vous dis en même temps, les filles comme elle, là, il y en a plein dehors. Il y en a plein dehors. Elles sont belles. Elles vous attirent. Mais elles sont des sorcières. Elles peuvent même tuer un bœuf. Il vous est déjà prévenu. Moi, j'espère que c'est pour que vous. Je vous dis la vérité. Bon, ça va. Allons-y seulement. C'est parti. Waouh, c'était extraordinaire. Merci les frères de regarder cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon papier, vraiment mon cœur, la description se trouve un lien. Vous pouvez cliquer là-dessus et télécharger une note où se trouve toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et sœurs, prenez soin de vous et soyez quoi que ce soit. C'est parti.